Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Cette vidéo, c'est pour vous donner quelques astuces pour pouvoir réussir votre temps de jeûne et prière de 21 jours. Vous le savez déjà, ce lundi 8 janvier 2024, nous commençons le premier jeûne de l'année. C'est tous les jours de 6h à 18h du 8 au 28 janvier 2024. On a déjà mis en ligne une vidéo où on donne toutes les informations, les explications sur le jeûne. Allez suivre la vidéo pour ne pas poser les questions auxquelles on a déjà répondu. Cette vidéo, c'est pour vous donner des astuces, vous encourager, pour que vous puissiez entrer avec nous dans le jeûne. Mes frères, mes sœurs, il y a des problèmes qui ont leurs racines dans le monde spirituel. Il y a des situations qui sont bloquées spirituellement. C'est comme des cadenas. Il faut d'abord que spirituellement, ce cadenas soit brisé pour que physiquement, tu entres dans cette dimension, dans ce niveau. Et cette année, on a dit que c'est l'année de la croissance. Tu dois vivre la croissance dans tous les domaines. Le thème du jeûne, c'est « Je dois croître pour la gloire de Dieu ». Luc chapitre 2 au verset 52, la Bible dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et en grâce. Tu dois croître, toi aussi, à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie. Dieu veut que tu croisses. Dieu veut que tu aies de l'impact. Dieu veut que tu t'étendes. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Il veut que ta coupe déborde. Amen. Ces informations-là, nous les donnons à chaque jeune. Mais comme il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque fois, donc on revient là-dessus pour pouvoir donner les mêmes informations à tout le monde avant qu'on ne commence le jeûne. La première astuce, la voici. Matthieu chapitre 6, au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, quand on dit 21 jours de jeûne et prière, en général, Satan nous amène à nous concentrer sur la longueur, le nombre des jours. Donc, on a peur. Mais le Seigneur dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne pense pas à la longueur du jeûne. Ne pense pas au nombre des jours. À chaque jour suffit sa peine. Ça dit quoi? Tu ne vas pas jeûner 21 jours d'affilée. Tu dois faire le jeûne chaque jour. Donc aujourd'hui là, tu vas faire le jeûne de la journée d'aujourd'hui. À chaque jour suffit sa peine. Donc le lundi 8, tu fais le jeûne du lundi 8. Tu ne vas pas respirer pour demain là aujourd'hui. Tu respires pour aujourd'hui. Tout ce qu'on fait là, c'est pour aujourd'hui. Quand demain arrive, on fera pour demain là, demain. Donc tu fais le jeûne là. De chaque jour, le lundi 8, tu fais son jeûne tranquillement. De 6h à 18h, tu arrêtes ton jeûne. Le lendemain, mardi 9, tu fais le jeûne du mardi 9. Mercredi 10, tu fais le jeûne du mercredi 10. Tu vas voir que tu ne vas même pas sentir à chaque jour suffit sa peine. Jusqu'à ce qu'on finisse le jeûne le dimanche 28 janvier 2024. Si tu ne l'as jamais fait, ben ce sera une expérience, une occasion. On va le faire ensemble et tu vas voir, tu seras heureux d'avoir fait cet exploit-là dans la présence de Dieu pour pouvoir entrer dans ta croissance en cette année 2024. La deuxième astuce, la voici. Actes chapitre 1 au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, c'est la première phrase qui nous intéresse. Après qu'il eut souffert, ça veut dire quoi? Il y a des choses que tu vas acquérir après que tu aies souffert. Il y a des choses qui se trouvent derrière une certaine souffrance. Il y a des choses qui se trouvent derrière des montagnes. Il y a des choses qui se trouvent derrière un désert. C'est quand tu auras accepté de souffrir que tu vas entrer dans ces choses. Donc, le jeûne, c'est un temps de souffrance. Mais après ça, tu vas entrer dans des dimensions, tu vas entrer dans des percées, tu vas entrer dans ta gloire. Mes frères, mes sœurs, tu dois regarder à la gloire qu'il y aura après le jeûne. Déjà, la première chose que tu vas recevoir, c'est une connexion puissante avec Dieu. Tu vas recevoir des enseignements, tu vas prier et tu vas affaiblir la chair
et l'esprit sera encore bien disposé. Donc, tu vas recevoir plus vite tes exaucements. Les enseignements vont beaucoup plus travailler dans ta vie. Et il y a des choses que tu vas terrasser sans même t'en rendre compte parce que tu dégageras plus de puissance dans le temps de jeûne et prière. Donc, cette souffrance-là, c'est bien de l'accepter. On va passer par là. Mais après ça, nous allons entrer dans un nouveau niveau dans notre croissance. Donc, l'astuce, c'est de penser à cela pendant ton temps de jeûne. De dire que oui, ça me fait mal, je souffre, j'ai mal parce que je ne mange pas. Mais ce que je vais avoir après le jeûne, là, c'est plus important. Ça vaut la peine que je fasse ce jeûne. Donc, après avoir souffert, tu vas rentrer dans des bénédictions. Donc, garde les yeux là-dessus. La troisième astuce, c'est le révérend mon époux qui a l'habitude de donner ça, le révérend Roger Seka. Il dit quand on est en jeûne et puis tout d'un coup, tu commences à avoir très faim, commence à prier pour tes sujets. Quand tu as très faim, prie pour tes sujets. C'est une saison. C'est-à-dire là où l'ennemi veut te faire descendre du jeûne, là, c'est là même qu'il faut présenter tes sujets à Dieu. Bartimée était assis, Jésus passait. C'est juste au moment où Jésus passait que Bartimée a crié. C'est juste au moment où Jésus passait que Bartimée a crié. Il y a des saisons. Donc quand tu jeûnes et puis tu as très faim, là, prie pour tes sujets. Si tu es au travail et que tu ne peux pas prier fort, prie dans ton esprit, présente tes sujets très importants au Seigneur. Pendant tout le jeûne, quand on prie, ça marche. Mais si tu sens la faim et que tu commences à prier, c'est un temps d'exaucement. C'est un temps propice à l'exaucement. Si tu es quelque part où tu ne peux pas prier ouvertement, mais tu pries dans ton cœur parce que c'est une saison. C'est un temps d'exaucement. Prie. Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, tu sens fortement la faim? Commence à prier pour tes sujets dans tes pensées. Mais si tu peux prier normalement parce qu'il n'y a personne, ben tu pries. Une autre astuce que je peux donner, c'est que quand tu es dans le temps de jeûne et prière, et puis à un certain moment, l'ennemi veut te décourager, il veut te faire laisser tomber le projet du jeûne et tout ça, il faut penser à nous tous qui sommes dans le jeûne. Pense à nous tous qui sommes dans le jeûne, tous ceux qui se sont engagés dans le programme et les enseignements qu'on donne tous les jours et les prières qu'on fait tous les jours, la dynamique dans laquelle on est là. Voilà, et tu as décidé d'entrer, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois dans le programme. Et Dieu, il est le commencement, il est la fin. Donc, pense au fait que Dieu est le commencement et la fin. Si Dieu t'a fait commencer ce projet de jeûne et prière, ben c'est parce qu'il veut que tu ailles à la fin. Il ne faut pas que ta vie soit une vie de non-accomplissement. Il ne faut pas que ta vie soit une vie de chantier non accompli. Je commence un jeûne, je ne finis pas. Je commence un projet, je ne finis pas. Je commence des études, je ne finis pas. Je commence une construction, je ne finis pas. Tout ce que tu commences là, tu ne finis pas. Donc, il faut te débarrasser du non-accomplissement. Donc, quand tu es dans le jeûne, tu as commencé le programme avec nous et puis l'ennemi veut te faire arrêter ça. Il faut chasser l'esprit de non-accomplissement. Il faut chasser l'esprit de non-accomplissement. Dieu, il est le commencement, il est la fin. S'il t'a donné la force de commencer là, c'est que la force pour pouvoir aller jusqu'au bout aussi est là. C'est à toi de le décider. C'est vrai, tu peux sentir la fin, mais pense à nous tous. Pense à nous tous qui sommes dans le programme du jeûne, dans le programme voilà, qui est un programme international partout. Ceux qui veulent le faire sont avec nous. Donc, ce n'est pas toi qui vas descendre du jeûne, ce n'est pas toi qui vas arrêter, ce n'est pas toi qui vas descendre du train. Prends courage. Ça fait mal au ventre à tout le monde, mais on ne s'occupe pas de ça. Il faut souffrir pour obtenir certaines choses. Et ce n'est pas une punition de Dieu. Il faut le faire, le cœur est heureux. Il faut être heureux de le faire, le cœur dans la joie. Voilà. Donc, quand tu veux, Satan te dit de descendre du jeûne ou bien d'arrêter le programme, là, pense à nous tous. Pense à nous tous. Et une autre astuce pour pouvoir lutter contre l'envie d'arrêter le jeûne, c'est que quand tu sens l'envie d'arrêter le jeûne, ou bien tu te sens faible, ou bien ça devient dur, va sur nos chaînes, va sur nos pages, là où on a parlé du jeûne, l'enseignement qu'on a mis en ligne, va encore réécouter, va te plonger dans l'atmosphère, là. Ou bien tu mets une adoration, voilà, une louange, tu mets tes écouteurs, même si tu es en train de travailler, mais ça te garde dans l'atmosphère, là, dans la présence de Dieu, et la force va sortir de la présence de Dieu pour te fortifier. La Bible dit que la vie se trouve dans la parole. Donc, tu peux même mettre la Bible audio, ou bien l'enseignement du jour, ou bien, voilà, un cantique, une louange,
et tu maintiens tes pensées dans la présence de Dieu, la force va te venir et tu vas continuer ton jeûne. Une autre astuce que je vais vous donner, Genèse chapitre 25, à partir du verset 31, on nous parle d'Ésaü. Ésaü avait un frère jumeau qu'on appelle Jacob. Ésaü était revenu des champs, il avait très faim, il était fatigué, il avait faim. Et son frère Jacob, qui était resté au village, était en train de faire cuire des lentilles. Et lui, Ésaü, ayant très faim, il demande à Jacob de lui donner à manger ce qu'il est en train de préparer. Jacob, c'est son frère. Au lieu de donner directement à manger à son frère, lui, il a usé de ruse. Il dit que si je dois te donner à manger ce que je prépare, il faut déclarer aujourd'hui que c'est moi le grand frère. Parce qu'ils sont jumeaux, mais c'est Ésaü qui est l'aîné. Parce que parmi les jumeaux, il y a toujours le plus grand. Voilà. Donc, c'est Ésaü qui avait ce droit d'aînesse là. Et dans la loi de Dieu, l'aîné, voilà, mais hérite de beaucoup de choses. Donc, si tu transfères ton droit d'aînesse, mais c'est l'autre qui prend ton droit d'aînesse là, qui hérite. Et donc, Jacob, il dit à Ésaü, donne-moi ton droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? À partir d'aujourd'hui, là, c'est moi le grand frère entre nous deux. Et Ésaü, il avait tellement faim, il dit, bon, moi, je vais faire quoi avec ce droit d'aînesse là? La même façon, j'ai faim, là, je vais mourir même bientôt. Donc, c'est pas grave, c'est toi le grand frère. Donne-moi, je vais manger, c'est tout. Donc, le gars, il lui a servi les lentilles et puis un peu de pain. Juste pour ça. Lui, il a mangé ça, puis c'est fini. Il a bu de l'eau, c'est fini. Et il a retrouvé ses forces. Donc, la fin est finie. Hein? Mais il a vendu quoi? L'astuce, là, qui va te permettre de terminer ton jeûne, c'est que quand je vais arrêter le jeûne, là, qu'est-ce que j'aurai vendu? Qu'est-ce que j'aurai cédé? À quoi est-ce que j'aurai renoncé? Pourquoi Satan veut que j'arrête le jeûne? Il veut troquer quoi? Il veut me vendre quoi? Il veut me prendre quoi? C'est ça le problème. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Nous nous battons pour nous en sortir. Ça s'appelle la bataille de la destinée. Tu dois te battre. C'est comme une graine qu'on a mise en terre. Elle doit mourir. Et puis, elle va germer. Tant que la graine qui est mise en terre ne meurt pas, elle ne peut pas germer. Elle ne peut pas germer. Donc, tu dois te dire, je ne peux pas obtenir certaines choses si je n'accepte pas de payer le prix. Mes fruits vont venir, mais je dois accepter de mourir d'abord. Donc, je ne vais pas troquer mes grâces en donnant au diable mon droit d'aînesse, en renonçant à ce jeûne. Dieu a voulu que je le fasse, peut-être parce qu'il veut que je meure en moi-même pour que mes fruits, pour que je puisse germer. Donc, je ne vais pas renoncer à ce jeûne. Je vais le faire jusqu'au bout. Regarde à ce que tu vas vendre spirituellement en arrêtant ce jeûne. Ne renonce pas à ton jeûne à cause de la nourriture. Ésaü a mangé son droit d'aînesse. En disant que donne-moi à manger, puis c'est toi l'aîné là. Il mangeait comme ça, c'était son droit d'aînesse, il mangeait. Si tu renonces au jeûne, pendant que tu as commencé, Dieu a voulu que tu commences. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se déclencher. Toi, tu arrêtes et puis tu manges. Qu'est-ce que tu es en train de manger comme ça? Ésaü a mangé son droit d'aînesse. Donc, quand on maintient tout ça dans nos pensées, on avance et on va jusqu'au bout du jeûne. Une dernière astuce que je peux donner, c'est que tu dois le faire par amour pour Dieu. Tu dois le faire par amour pour Dieu. Quand tu sais que tu aimes Dieu et puis tu fais quelque chose pour lui, ton cœur est dans la joie. Tu dis à toi la gloire, c'est à cause de toi que je fais ce jeûne. C'est pas que tu m'obliges, mais je t'aime Seigneur et je veux te chercher. Donc l'amour de Dieu là, c'est la plus grande astuce même parce que j'aime le Seigneur. C'est pas lui qui me soumet à cela, mais je veux le chercher. Je me soumets à ce temps de jeûne pour pouvoir recevoir les enseignements, tuer la chair et laisser l'esprit se disposer à recevoir l'esprit de Dieu afin que j'entre dans ma croissance cette année 2024 au nom de Jésus. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, nous commençons le jeûne et prière ce lundi à partir de 6h, tous les jours de 6h à 18h, du 8 au 28 janvier 2024. Partagez la vidéo et envoyez-la à ceux que vous invitez à faire le jeûne avec nous. Préparez-vous et on commence. Top départ lundi 8 à 6h. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater et restons connectés au Seigneur. Que Dieu vous bénisse.